Étienne Saint-Forien, Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botena Binobanso. Wanduguwa penzi, wananchi wote, na wasalimi ya nyinyi wote. Bana betu basubwe moyo wenu bonsoir. Bampangi ya munu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonsoir. Ana lengo, moyanyu che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Alain de 707. Ah, vous allez bien? Oui, madame. Bonjour. C'est David Nico. Moi, je cherche. Ah, d'accord, c'est vous qui m'avez écrit. Oui, oui, oui. Non, 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 non,
Les enfants là derrière. Non, ils peuvent rentrer. Non, pour les enfants, c'est fini, ils peuvent partir. Les enfants, c'est fini. Les enfants peuvent partir. Ils peuvent partir. You get. Attention, journaliste. Pardon. Alors ça représente quoi? C'est un... Bonjour. Excusez-moi, je suis en direct là. Ah ok. Ouais, je suis en direct. Comment vous appelle s'il vous plaît? Pardon? Comment vous appelle? Maître Mpompa. Vous je êtes suis le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kassai Central. Ok. La visite du vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'UDAPES, c'est inscrit dans quel cadre? Il faudra d'abord souligner que l'honorable Jama Kabunda est fils du terroir. Il est venu chez lui. Mais par rapport à ses responsabilités en tant que président national à l'intérim de l'UDAPES, il est également habilité à pouvoir visiter les sympathisants, les combattants, les différents membres, mais également en tant qu'élu national. En tant que député national, il peut pouvoir aller dans toutes les contrées de la République pour pouvoir récolter les desiderata de la population afin de les faire intégrer dans les budgets de la République. Quelles sont par exemple les grandes préoccupations que vous allez soumettre au vice-président de l'Assemblée nationale?
La province du Kasaï central est une province post-conflit. Vous savez qu'il y a 2 ans, nous avons fait l'objet d'affres, de guerres, et il y a eu une guerre qui est pratiquement l'émanation du niveau de la pauvreté de notre population. La province a principalement deux problèmes majeurs à soumettre à l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons le problème de KTND et le problème de nos routes. Et si nous avons KTND terminé, nous pouvons inviter les investisseurs, mais également si nous avons nos routes, nous pouvons relier l'ensemble à partir du Kasaï central, qui est le centre de la République, relier l'ensemble du territoire national, mais également permettre à ce que nos marchandises, nos produits qui sont cultivés par les différents cultivateurs dans l'arrière-pays puissent arriver dans les centres commerciaux. À ce moment-là, nous pouvons nous autosuffire. Merci beaucoup. Merci madame. Kiss. Tu me localises, hein? Alors, il y a encore une longue file à attendre. Saluer toutes ces personnalités venu accueillir le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, mais aussi président intérimaire de l'UDPS. Il y a une forte mobilisation de l'autre côté. Ici, nous sommes sur le tarmac. Il a été accueilli par le vice-gouverneur de province. Et comme vous pouvez l'imaginer, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, on va voir un peu l'ambiance de la mobilisation de l'autre côté. En attendant que le président intérimaire continue de saluer la foule, de saluer les personnalités rangées pour l'accueillir, on va voir ce que c'est la mobilisation de l'autre côté. Voilà. Vous dites? On ne peut pas aussi nous prendre les images. C'est... Parce que c'est à mettre la vidéo de kit, c'est ça, non? Oui. Et le président national a été bien accueilli. Allô? Oui, dites-moi. Ça, c'est très bonne chose. Oui, dites-moi. Le président national de l'Assemblée provinciale. Mais si Tshisekedi Chilombo viendra, il y aura des morts. Mm-hmm. Parce que Kaboun est bien accueilli chez eux. Le président a eu national. Il y a eu beaucoup de gens. Malgré l'interruption des autorités pour fouler les pieds dans les tarmacs, mais il y a une grande foule dehors là qui attend. Mais c'est normal, au tarmac, il n'y accède pas tout le monde. Ça, c'est très bon. Vous aurez le temps de le voir, il va animer un meeting. C'est le nôtre. Il est venu chez eux. Il est bien accueilli par la population kanangaise. Ça, c'est très bonne chose, madame. Merci beaucoup. Et vous aussi, vous êtes content de Oui, nous sommes de sa contents. Présence. Nous sommes contents vraiment avec l'atterrissage du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda. Nous sommes nombreux, nous sommes venus pour l'accueillir. Ici, il est chez eux, il va se sentir à l'aise. Kananga, tout va bien? Vous avez Kananga, l'eau? C'est bien. Vous avez Kananga, l'eau, vous avez l'électricité? Non, nous n'avons pas du courant. Bon, ça, c'est... Mais la ville est calme. C'est la présence de notre président. Bon. On a quand même vraiment à lui dire, comme il est déjà là, c'est bien parce que nous avons un peu de doléances par rapport à l'électricité, de l'eau, tout ça. Et puis, la route, vraiment, toute Monsieur la Clément. Ville, elle est vraiment enclavée par des ravins ou tout ça. Alors,
vraiment, nous sommes vraiment très contents de la présence de notre président dans la ville de Kananga. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Vous vous appelez Clément Ngoma? Caleb, Clément Ngoma, c'est le député. Clément Ngoma, c'est le député provincial. Il vient de sortir comme ça. Ça, c'est le président Caleb. Ah, d'accord. Ah, ouais. On va voir la mobilisation. Ok, ça va. Vous pouvez m'accompagner? Oui, je sors. Parce que il y a encore beaucoup de personnalités à saluer. Donc ici, c'est l'aéroport international de Lungando. De Lungando. Ça s'écrit Lungando. Oui, Lungando. Ça, c'est déjà une nationale, mais aujourd'hui, c'est international avec Ethiopian Airways. Qui atterrit ici? Oh, oui. Combien de fois par semaine? Vous voyez, on n'a pas une information précise. Mais ça atterrit. Vous avez dit Ethiopia? Ethiopia Airways. Ethiopia Airways. Oui. Atterrit ici. Oui. D'accord. Vous avez des gars, combien de personnes à saluer? Ouf, vous avez vu là-bas? Oui. Ah, bonjour. Passe à Kuti. Monsieur, madame. Bonjour, madame. Ce sont les comédiens. C'est ça. Oui. Ce sont les comédiens du Conseil central. Troupe théâtrale Mwangaze de Kananga. Vous êtes venu accueillir. Vous êtes venu accueillir le vice-président Jama. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous le connaissez? Oui. Je connais. On le connaissait bien, très très bien. Oui. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Parlons, parlons. Le problème des maïs, il est monté. Maïs, le prix du maïs. La route part. Nous produisons beaucoup. Nous sommes afféminés. Nous sommes affamés. Notre maman, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à Kananga. Toi, Sakidjila Waboun. Tout le monde est derrière le président. Les gens sont. On va les voir. Mobilisation. Wow, ça bouge. Papa, bonjour.
On va l'UNC, ça montre que la coalition est dans sa forme la plus totale. Oui, oui, dans le cadre du CASH, on s'est dit nous devons venir accueillir le président Haï de l'UDEPES. L'UNC Kassai Central a été mobilisé. Vous pouvez voir de l'autre côté avec le drapeau de l'UNC, donc on est tous ensemble. Jean-Marc Kabounde est encore sur le tarmac parce que
avec non seulement ici, je prends votre téléphone. Comme ça, je prends un téléphone. Comme ça, c'est bon. Oui, oui, oui. Thank you.
Enfin, s'il vous plaît, je veux passer là-devant. Le passage est bloqué là-devant. Si c'est bloqué. Comment tu peux entrer? Je vais passer en bas. Amaé, comme je fais le direct, hein, Facebook, il m'empêche de voir devant. Je vais m'incliner. Aidez-moi, je vais m'incliner. Je t'en prie, madame. C'est Rachel. Madame, ça va? Vous me reconnaissez? Moi, je vous connais très bien. Vous, ça coûte 30. Oui. Je pourrais juste prendre ici. Voilà. Moi, je fais un live Facebook. Je sais, je vous connais. J'ai travaillé avec vous beaucoup de fois. L'autre fois, quand Bochab était à l'Assemblée, les jours où Prince Biarane s'est marié, on était là. Moi, j'étais avec Congrès. J'étais avec Élisée Odia. Maintenant, vous êtes ici? Oui, je suis au gouvernement. C'est qui le gouvernement? John Daniel Kassab. Ah oui, les noms, vous ne connaissez pas. Faut pas tomber. Allô? Donne, je vais t'aider. Ça va, ouais, ça va comme ça. Ça va. Vous prenez plus de trucs. Mon père est où? Parce que toi, tu verras pas. Moi, je vois bien. Tu vois? Ah, vous voyez bien. Maman, tu bouges. Les bras là, tu vois. Oui. Jusqu'à Tchikapa. Je suis jusqu'à la fin. La mission, c'est ici et Tchikapa seul. Je pense. Ah. Monsieur, il y a Pendant 3 jours, vous allez aider. Vous allez quitter tout pour vraiment. Même si ce n'était pas pour ça, mais sinon, mais les gens ne trouvent pas en attendant que les gens. Il y a une souffrance.
Patrick, Patrick, bougez, bougez mon cœur. C'est du DPS, tu connais pas? Oui. À l'immeuble après du DPS. Et RDC. Get it.